Keli ya mukili mbote ya kimia na bantu banso engambi mubimba mukumbi. Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Comme vous avez constaté aujourd'hui, nous avons passé cette salutation en langue du peuple originel, car le thème l'impose. Nous voici donc dans la septième partie de notre série consacrée à Amon-Ra, la divinité suprême de l'Égypte pharaonique. Dans la partie précédente, on avait commencé à parler de Amon-Ra en tant que Atum et du principe qui fait que la représentation de Atum comme étant un homme veut dire en réalité que c'est l'homme qui est à l'image de Atum. C'est pourquoi, bien que Atum est le créateur, il passe symboliquement pour être l'ancêtre de l'humanité. C'est pourquoi on peut assimiler symboliquement Atum à Adam, qui veut dire homme, et en Lingala, dans la tradition africaine, nous avons le terme Muntu, qui veut dire homme. Et donc, dans cette vidéo, on va voir non seulement pour comprendre pourquoi Atum, qui est une autre forme de Amon, est appelé Muntu, et que cela démontre indiscutablement et incontestablement que les Égyptiens anciens sont des Bantous au sens primordial du terme et non pas au sens qui a été imposé par les anthropologues occidentaux. Et que si un seul peuple doit être appelé peuple Muntu, qui au pluriel donne peuple bantou, et bien il s'agit de nos ancêtres de l'Égypte pharaonique. Mais pour bien comprendre tout cela, dans cette septième partie, on va approfondir la question et on va entrer dans les hiéroglyphes et surtout dans la tradition du peuple originel en ce qui concerne le nom de Atum. Mais avant, souvenez-vous que le terme Muntu ou Mutu veut dire être humain ou bien humanité, mais cela veut aussi dire la tête, la conscience ou l'être qui est pleinement conscient dans le sens d'un être intelligent et ainsi de suite. La racine de Muntu est Ntu, N-T-U, qu'on peut aussi prononcer Tu. C'est pourquoi au pluriel de Muntu, on retrouve Bantu. Mais la racine Tu reste identique tandis que le Mu devient Ba. Néanmoins, il est aussi bon de souligner que si on inverse Muntu ou Mutu, cela donne Tumu ou Tumu. Cela en fait a une grande importance concernant la façon la plus célèbre dont les égyptologues ont conservé aujourd'hui donc la prononciation du nom de Atum. Et si vous regardez par exemple dans Wikipédia concernant le nom de Atum, on nous dit dès le début, c'est-à-dire dès la présentation, la chose suivante. Atum ou Tum, entre parenthèses traduit par certains par l'indifférencié. Donc on répète, Atum ou Tum, traduit par certains par l'indifférencié, entre parenthèses. Donc ça veut dire en fait que l'indifférencié veut dire celui qui est complet, celui qui représente l'entièreté, la totalité, le tout. Donc ça c'est fin de citation de Wikipédia. Ainsi, on nous a dit que on peut l'appeler Atum ou bien Tum. Or, il se trouve que la racine de Muntu ou Bantu est justement Tu, comme on a dit. Et donc, si les égyptologues sont passés très près de cette prononciation de Ntu, c'est que des connaissances de cette prononciation sont arrivées jusqu'à eux. Et il faut savoir que cela est une chose qui est très courante. Par exemple, c'est le cas notamment avec les 9 divinités primordiales de l'Égypte antique qu'on appelle l'Énéade. Donc, ces prononciations qui sont souvent similaires au terme employé dans nos langues du peuple originel, eh bien, ce n'est pas du hasard. Ainsi, on a vu que le nom de Atum se dit Tum, qui vient en réalité de Ntu dans nos langues du peuple originel, mais c'est pas tout. Toujours dans Wikipédia, dans l'encadré à droite en dessous de la photo, on nous donne en fait le nom de Atum en hiéroglyphe et en dessous, on retrouve la translittération dans l'écriture latine que nous utilisons à notre époque. Et cela donne T, M et W entre parenthèses. Et on a dit que selon l'égyptologie,
Les hiéroglyphes ne rendent compte que des consonnes, comme c'est d'ailleurs le cas de la Bible hébraïque originelle et du Coran en arabe originel. Donc, il faut ajouter une voyelle entre deux consonnes. C'est pourquoi ils ont ajouté la voyelle U entre les lettres T et M. Selon eux, les lettres T et M. Et comme dans nos langues africaines ou même en arabe, le son U, la lettre U, se prononce ou, cela donne toum. Et vous avez remarqué qu'il y a un W entre parenthèses à la fin. Dans la translittération des hiéroglyphes, le W représente aussi le son ou, mais que on n'est pas obligé de prononcer. Donc, en fait, on aurait très bien pu dire toumou, ce qui revient en fait être l'inversion pure et simple de moutou, qui devient toumou. On va pas trop entrer en détail là-dessus, mais en linguistique, cela s'appelle une métathèse. Si on va dans Wikipédia, on nous dit la métathèse entre parenthèses du grec métathésis veut dire permutation. C'est une modification phonétique de la famille des métaplasmes impliquant un échange plus ou moins important entre deux phonèmes en contact ou proches. Donc, fin de citation. Donc, en clair, c'est tout simplement une permutation de son dans un mot. Et cela se pratique dans beaucoup de langues. Par exemple, en arabe, pour dire un homme noir, on va dire il est aswad. Mais pour dire une femme noire, on va dire qu'elle est saouda. Donc vous remarquerez qu'on a gardé exactement les mêmes sons, mais on les a fait permuter. Saouda, aswad. Aswad, saouda. Et parfois, la permutation permet d'ajouter un son supplémentaire, etc., etc. Donc, il ne faut pas être surpris de retrouver des permutations dans nos langues du peuple originel. Par exemple, en lingala, on retrouve des métathèses de très haut niveau de sagesse et de logique. Par exemple, on a longa, vaincre, et ngolu, faire grâce. Donc, après avoir vaincu, on peut faire grâce ou même donner le coup de grâce. Mais bon, passons. On a aussi mongolo, qui veut dire rayure, comme par exemple les rayures du zèbre ou bien les rayures sur un vêtement. Donc, de mongolo, rayure, on a molongo, alignement, ou l'ordre, ce qui est disposé tout droit, ou clair, ou de manière précise, ou bien disposé tout simplement. Et de molongo, l'alignement, et que ensuite on passe à nouveau à mongolo, donc la rivière, puisque la rivière est toujours alignée dans sa course. On a ensuite mongolo, le poisson-chat. En fait, tout ceci a l'air de rien, mais celui qui comprend la logique ici comprend tout simplement le nom du tout premier pharaon de l'Égypte antique, selon bien évidemment les égyptologues. Mais on en reparlera si le Tout-Puissant le permet. On a aussi soto, impur ou interdit, qui devient tosa, obéir ou permis. En kikongo, on peut dire Nkunda pour désigner la maison. En Lingala, on va dire Ndaku. Kunda, Ndaku. Et Ndaku en Lingala est déjà la permutation parfaite de Kunda, donc enterré. Kunda, enterré. Et vous allez comprendre pourquoi cette inversion, cette permutation à la fin de cette vidéo. Tout comme on verra aussi la permutation de Mboka, le pays, qui devient Kambo ou Ngambo. Donc ça veut dire important ou bien voisin. Et qui donne ensuite Engumba, la ville. Et donc, on y reviendra là-dessus plus loin, mais avec les hiéroglyphes. Donc, après ces quelques exemples, on peut maintenant revenir à Toum, qui, comme on l'a vu, se prononce à la base Toum, qui est en réalité une toux. Or, automatiquement dans nos langues, il faut bien ajouter le préfixe de désignation mou au singulier ou ba au pluriel, ce qui donne Muntu ou Bantu. Donc, d'entrée de jeu, les choses sont très claires. Atum s'appelle bel et bien Muntu. Ceci étant dit, il faudra maintenant démontrer preuve à l'appui avec les hiéroglyphes que ce terme signifie aussi humain, humanité, tête, conscience, etc. Car on ne peut pas se limiter à une ressemblance de prononciation. Mais il faut maintenant aller voir le sens en hiéroglyphes, comme dans nos langues du peuple originel. Car on ne doit pas faire les erreurs du passé de simplement africaniser un terme de l'égyptologie, comme par exemple quand l'égyptologue va dire
OTEP, nous on va dire OTP, OTEPA, OTEPU, etc. Ou bien quand il va dire Aton, nous on va dire Atona. Quand il va dire Aset pour désigner Isis, on va dire Aïsata, Aïsatu. Quand il va dire Neftis, on va dire Nabintu, etc. Sans lire forcément les hiéroglyphes et faire le rapprochement étymologique avec nos langues du peuple originel. Même si, il faut dire que parfois, c'est pratiquement correct. Comme c'est le cas par exemple avec Neftis, Nabintu, etc. Mais encore faut-il expliquer comment on arrive là avec nos langues du peuple originel. Donc on se doit de toujours faire parler les idéogrammes hiéroglyphiques qui en réalité témoignent de nos langues du peuple originel. Ainsi, nous poursuivons. Après avoir dit de Atum que à la base son nom est Tum, ou plutôt Ntu qui se prononce Muntu, parce que sinon tout employé tout seul, c'est comme dire homme en français sans le L apostrophe. Par exemple, en disant homme qui marche dans la rue, on sait que ça se dit pas, il faut dire l'homme qui marche dans la rue. C'est un peu le rapport entre Muntu et Ntu. Ensuite, cela devient par permutation une métathèse. Donc Tumu, Toma, Tuma, etc. Et on va voir pourquoi. Pour cela, on va s'intéresser un peu au nom de Atum en hiéroglyphe. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'écrire son nom. Certaines façons mettent en avant plus certains éléments qui se rapportent à Atum plutôt que d'autres façons qui vont plutôt pencher sur d'autres éléments. Par exemple, on a la version avec un traîneau, un hibou et un vieillard qui est assis. On a une autre version avec une feuille de roseau, un morceau de pain, un bras tendu et un vieillard assis. On a encore une autre version avec un gâteau de pain, un traîneau, une côte, comme par exemple quand on dit que la femme est sortie de la côte de l'homme, ou bien une côte animale, etc. Donc une côte. Ensuite, on a un petit oiseau, ou plutôt un poussin. Et encore et toujours, on a le vieillard qui est assis par terre. On verra dans une autre vidéo, si le Tout-Puissant le permet, que veut dire donc cette représentation de ce vieillard assis. Néanmoins, pour l'instant, on doit simplement garder à l'esprit que c'est le déterminatif d'une divinité. On l'a d'ailleurs déjà vu dans le nom de Amon. Donc, en hiéroglyphe, quand on mentionne ou représente le nom d'une divinité, il y a l'image de ce vieillard assis qui peut être aussi remplacé par un faucon qui est perché en hauteur, que l'on retrouve donc à côté ou à la fin de la graphie. Et aussi d'autres éléments, etc. là-dessus. Mais les deux plus récurrents, c'est le vieillard assis et le faucon perché. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, le déterminatif n'est pas forcément à lire dans la lecture de la graphie. Il aide simplement à dire qu'on parle d'une divinité. Mais aussi dans le nom de Atum, on constate que l'image du traîneau est très récurrent. Et d'ailleurs, la main tendue qui prend un objet, et cet objet peut parfois être un gâteau de pain, veut en fait dire, comme on le verra, la même chose en fait que le traîneau, c'est-à-dire tirer, retirer, emporter, prendre, arracher, etc. Parce qu'en fait, le traîneau nous emporte. Et les égyptologues expliquent en fait cette récurrence du traîneau par le fait que le traîneau à lui tout seul rend compte en fait du nom de Atum. Donc à lui tout seul, c'est déjà le nom de Atum en entier. Donc c'est en fait le fameux terme que les égyptologues appellent Tum. On va voir que c'est beaucoup plus que ça. Et comme on a dit, encore une fois, on le répète, ce terme en réalité c'est Muntu ou bien Tumu par permutation de Muntu. Car les égyptologues ont en fait fait une confusion probablement de deux attributs de Atum, comme on le verra un peu plus loin. Et il faut préciser que le préfixe Mu peut facilement échapper aux égyptologues. Car parfois, même souvent, les hiéroglyphes rendent compte seulement en fait de la racine du mot sans le préfixe. Même si c'est loin d'être toujours le cas, puisqu'il y a beaucoup de hiéroglyphes où le préfixe est très important. Mais si cela en fait échappe facilement à un égyptologue occidental, parce qu'il ne parle pas nos langues du peuple originel, mais même pour un enfant qui parle une de nos langues, eh bien, ajouter le préfixe, c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui est naturel. Donc du coup, ça ne lui échapperait pas. Et il faut savoir que tous les signes hiéroglyphiques sont répertoriés par les égyptologues sous des codes qui commencent par une lettre de l'alphabet suivie d'un chiffre.
Donc, le code du traîneau se trouve être le U15. En fait, chaque lettre qui précède le chiffre fait état d'une famille d'images, c'est-à-dire que c'est des images qui se rapportent à un même thème, à un même sujet. Dans le cas présent, la lettre U se rapporte au thème des outils agricoles ou bien des outils en général qu'on retrouve dans une maison, comme par exemple des instruments de cuisine et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les égyptologues ont classé en fait les signes hiéroglyphiques pour se faciliter la vue parce qu'il y en a des milliers. Donc, selon les égyptologues, le traîneau, donc le signe U15, se prononce Toum ou Toum. Et lorsque on regarde le nom de Atoum en hiéroglyphe, on constate que, en dehors du vieillard assis qui représente donc la divinité, le traîneau peut être accompagné d'un morceau de pain ou bien d'un hibou. C'est le cas notamment sur Wikipédia. Mais tantôt le pain peut être absent et tantôt il peut être présent. Mais tantôt le pain peut être présent et le hibou peut être absent, ou bien c'est l'inverse, donc le pain est absent et le hibou est présent aux côtés du fameux traîneau. Comme on peut le voir d'ailleurs sur une des plus célèbres représentations de Atum, où on voit seulement en fait le morceau de pain avec le traîneau et bien sûr le vieillard assis. Et on peut lire cette image de haut en bas. Donc, cela montre clairement que c'est le traîneau qui est le plus important, car à lui tout seul, il permet de lire le nom de Atum. Mais d'une autre part, cela veut aussi dire que le pain et le hibou sont interchangeables, donc ce sont des termes d'une même prononciation, notamment consonantique, mais aussi qui sont synonymes, qui ont des rapports en fait de proximité très très importants, comme on va le voir. Et en effet, dans nos langues, le hibou se dit généralement koutou, que on peut aussi prononcer koutou. Exemple, un aîné se dit koulutou, mais on va souvent dire plutôt koulutou directement. Comme par exemple en français, au lieu de dire humain, on va dire l'humain. Même si c'est un peu l'inverse de l'exemple, c'est plutôt comme diraient les Anglais, au lieu de dire he's, on va dire his ou she is, she's, etc. Donc, ils font un abrégé. Donc, sans forcément perdre la valeur du mot, etc., sa qualité. En Kikongo, un hibou se dit dikuti, mais sans le préfixe, cela donne kuti, donc la racine. Et il faut savoir que la galette de pain exprime en fait la marque du féminin. Mais ça exprime aussi les mots comme entrée, la femme, l'intérieur, le centre, le milieu, etc. Et la femme se dit en Kikongo kento ou keto. L'intérieur se dit kati. Le gâteau de pain se dit katu. Et c'est de là très probablement que vient le terme gâteau, cake, etc. Et pour ceux qui serait tenté en fait d'affirmer que c'est les Congos qui ont emprunté aux Occidentaux, eh bien, il faut savoir que c'est tout simplement impossible, car premièrement, Kikongo, on a une logique implacable du hibou kuti au gâteau ou galette de pain katu, en passant par la femme, le centre, l'intérieur, entrée, etc., c'est-à-dire keto, kati, kota, etc. Donc, une suite logique dont certainement aucune langue occidentale ne peut se vanter de reproduire concernant le hibou et la galette de pain. Deuxièmement, on a le témoignage des hiéroglyphes qui datent de plus de 5000 ans et qui montrent que le terme du hibou, la galette de pain, la femme, le milieu, etc., sont de la même racine. Et troisièmement, l'ensemble des langues du peuple originel et surtout du centre et du sud de l'Afrique, voire aussi les langues dites bantoues, les langues dites bantoues donnent en fait le même résultat. Et je sais que c'est une déception pour beaucoup de Congo de constater que ils descendent en réalité des anciens Égyptiens, eux qui se revendiquent simplement d'être des Hébreux, etc. Mais bon, qu'ils se rassurent, les Hébreux sont en réalité des Égyptiens, comme d'ailleurs l'affirme le Coran, la Bible, les historiens, etc. Donc en bref, le hibou en lingala se dit Essou Lungutu. En réalité, on peut dire simplement Ngutu ou Nkutu, car le G est interchangeable avec la lettre K. Par exemple, on a le terme lingala plié qui se dit Gumba ou Kumba.
Et bien entendu, on peut retirer le N d'un kutu pour faire kutu. Donc, comme le Kikongo kuti. Et pour l'intérieur, en lingala, on dira aussi kati. Pour le gâteau de pain, en lingala, on va dire kate. Donc, comme likate, mukate, le beignet, etc. En bref, on comprend pourquoi le hibou et le pain, dans le nom en hiéroglyphe de Atum, eh bien, ces deux-là sont interchangeables et ils expriment tous deux le son kate, kati, etc. Car les voyelles, en fait, dans nos langues sont très variables, comme dans beaucoup de langues. Exemple, on va dire en arabe Muhammad, Mohamed, Mahmad, Mahmoud, tout ce que vous voulez. Donc, les voyelles sont très variables. Tandis que, pour les égyptologues, le pain représente la lettre ou le son T et le hibou, la lettre M. Et ce sont pour eux des compléments phonétiques pour soi-disant aider à bien prononcer le mot ou bien l'idée que représente le traîneau. Donc, les deux lettres T et M ensemble donnent TM ou TEM, etc. Et comme on a dit, il faut toujours ajouter une voyelle entre les consonnes, donc cela donne TUM lorsqu'on ajoute le U par exemple. Et c'est cela donc qu'on retrouve dans le traîneau, alors que le traîneau à lui tout seul donne déjà TUM. Donc, encore une fois, on comprend clairement que c'est le traîneau qui est le plus important dans le nom de Atum, puisque tout seul le traîneau, selon les égyptologues, veut dire déjà TUM. Et que le T, soi-disant, et le M, soi-disant, donnent TM. Il faut ajouter une voyelle au milieu, ça donne TUM aussi. Donc, on aurait deux fois TUM, TUM, en fait. Mais, eux vont te dire, non, c'est un complément phonétique pour bien préciser comment on prononce. Mais, en fait, la différence entre nous, du peuple originel, et les égyptologues, c'est que nous, on ne reconnaît pas l'alphabétisation de tous ces dessins, de toutes ces images, de ces idéogrammes hiéroglyphes. Ce sont des mots à part entière, mais qui peuvent jouer les rôles de compléments phonétiques. En effet, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est aussi des compléments de son, de philosophie, etc. Donc, c'est beaucoup plus profond. Et donc, quand on a compris tout cela, donc à savoir que c'est le traîneau qui est la base de tout, eh bien, les choses deviennent beaucoup plus simples dans le nom de Atum. En effet, le traîneau, qui fait référence à quelque chose que l'on traîne, que l'on tire, ou bien que l'on entraîne par devant, ou en tout cas, c'est l'avant qui est en tête lors de son déplacement, eh bien, il est classé par les égyptologues dans les outils agricoles, parce qu'il rappelle en fait la charrue, qui est un outil agricole qui est tiré par des bœufs ou bien par des vaches pour labourer le sol. Donc, la charrue, qui est donc tirée, ou bien traîné comme un traîneau par une force ou bien une énergie qui se trouve à l'avant, qui doit donc rester en fait l'avant, la tête, le devant, doit rester en fait notre terme de référence. Il faut retenir que c'est ce qui est le plus important, à savoir qu'il y a une force qui est exercée par devant, donc par la tête. C'est pourquoi on dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ce sont les bœufs qui sont en tête. C'est eux qui sont devant pour tirer la charrue. De même, les chevaux tirent le chariot qui peut transporter des passagers. Comme vous pouvez le voir à l'image, notamment avec une diligence, c'est à partir de là que on a obtenu le terme carrosse, qui servait autrefois à transporter aussi des gens, comme la voiture, mais autrefois. Et la carrosse était tirée par des chevaux, comme vous pouvez le voir à l'image. Et c'est de là que provient le mot pour désigner la voiture moderne, donc à moteur, donc l'autocar, ou tout simplement car. Mais en fait, tout cela vient à l'origine de la charrue ou bien du chariot. Car comme on le sait, le CH se prononce souvent K dans certaines langues. Notamment, on retrouve ça souvent en anglais, par exemple. Le chat en français, on va dire cat en anglais. Le fils de Noé, Cham, on va l'appeler Cam. La chimie, on va dire chemistry en anglais. Mais il y a d'autres termes aussi en anglais qui prononcent le ch, le ch, comme chess, check, change, etc. Donc, et tout comme d'ailleurs, il existe aussi bon nombre de termes en français
qui commence par CH et qui se prononce K, comme par exemple la chronologie ou bien le chronomètre. Donc, le traîneau, comme le chariot ou la charrue, ainsi que la voiture, sont traînés ou bien sont tirés généralement à partir de devant, à partir de la tête, où se situe pour la voiture le moteur ou bien où on retrouve les chevaux. Mais en tout cas, c'est l'avant qui est en tête lors du mouvement. C'est pourquoi en lingala, pour dire la voiture ou l'automobile, on va dire motuka. On pourrait en effet penser que cela vient de motorcar ou autocar, comme certains, comme beaucoup même le pensent, la plupart même pensent cela, même des gens qui ont fait le site dictionnaire en ligne là, ils pensent cela, comme vous pouvez le voir. Mais en réalité, une analyse rapide des termes employés et de la philosophie derrière ces termes-là peut facilement dissiper en fait cette confusion. Bon, par exemple en lingala, le verbe puiser, c'est-à-dire tirer de l'eau dans une source ou bien dans un puits, se dit kotoka. Le ko est un préfixe, donc la racine est toka, comme dans mutuka. Car en lingala, le o et le u sont interchangeables, comme par exemple dans le jour mukolo, on peut aussi dire mokolo, etc. Or, toka, c'est-à-dire puiser, c'est un synonyme de tirer, puisque puiser de l'information revient à dire tirer des informations. Aussi, une grappe, par exemple une grappe de raisin ou bien un régime de banane, se dit en lingala etuka. Pourquoi? Parce qu'il faut tirer pour prendre les fruits de la grappe. D'ailleurs, en français, on va dire grappiller, donc l'action de cueillir ou bien de tirer des fruits, qui va dériver en tirer des bénéfices, grappiller des informations, donc tirer des informations. D'ailleurs, on a vu que dans une des façons en hiéroglyphe de désigner Atum, c'est de remplacer en fait le traîneau par un bras qui prend ou bien qui tire, notamment un gâteau de pain par exemple. Et cela se traduit tout seul, donc cette main là avec le gâteau qui est en train d'être pris, ça se traduit par l'ordre donne-moi. Donc on te prend de force. Ce n'est pas comme si on te demandait, on est en train de t'arracher ou d'emporter, etc. Donc c'est le principe du traîneau. C'est pourquoi dans d'autres graphies, on remplace cela par le traîneau ou bien vice versa. Non, c'est plutôt pour ça que on remplace le traîneau donc par cette main qui tire. Mais c'est pas tout. Dans motuka, on a premièrement motu, qui vient de moto, c'est-à-dire le feu. Or, le feu est une énergie, une force, notamment de traction, qui peut tirer ou bien qui peut pousser, ou en tout cas mettre en mouvement quelque chose. Et ensuite, on a tuka, qui vient de toka, qui veut dire mettre en mouvement, non pas seulement dans le sens de puiser ou tirer, mais aussi dans le sens de pousser, entraîner, emporter, faire sortir, faire monter, etc. Par exemple, pour dire que l'eau est en train de bouillir, et ici, on parle de l'action du feu, donc on va dire mai ezo toka. Toka ici, c'est bouillir. C'est bouillir. Puisque l'eau va bouillir, va se transformer en vapeur et va commencer à monter. Donc c'est le devant qui est toujours là, mais qui monte. Pour transpirer, aussi, on va dire kotoka. C'est-à-dire faire sortir de l'eau par la chaleur, donc par le feu. Une autre preuve que tuka se rapporte donc au mouvement, on a sursauter, qui se dit en lingala kosutuka. Or, sursauter, c'est comme si une énergie te faisait subitement bouger, te mettait subitement en mouvement. Voilà, donc avec le terme motuka, on pourrait penser, quoique cela ne serait pas tout à fait faux, que ce terme renvoie à un mouvement de tirer ou traction, tuka, par l'action du feu, donc moto, donc motuka. Mais en réalité, cela serait très incomplet parce que en lingala, on dit motuka autant pour les véhicules à moteur que pour désigner une simple poussette pour bébé ou encore un chariot tiré par un homme qu'on appelle pousse-pousse. Pourtant, ces derniers n'ont pas de moteur. Donc le terme motuka peut aussi se rapporter au traîneau comme dans l'écriture hiéroglyphique du nom de Atum car il s'agit d'un véhicule qui plus est tiré par l'avant, donc par la tête. Or, en lingala, la tête se dit mutu ou motu.
Donc, cela se dit exactement comme le feu. Tout comme le feu met en mouvement, eh bien notre tête aussi nous met en mouvement. C'est la tête qui nous dirige, c'est la tour de contrôle de notre corps. Donc si on prend le terme moto ou motu, donc la tête, et on ajoute tuka dans le sens de tirer, comme par exemple les rênes du Père Noël tirent son traîneau, on obtient donc motuka, qui peut vouloir dire tirer par la tête, donc tirer par devant, car la tête fait référence à ce qui est devant. Par exemple, on sait que marcher à la tête d'un cortège veut dire marcher devant le cortège. C'est pourquoi le traîneau est un motuka, qui en lingala en fait fait référence à tout type de véhicule. Donc si vous tapez véhicule en lingala, ça donne motuka. Donc on comprend mieux le rapport qu'il y a entre le traîneau et Atum, qui symbolise l'ancêtre de l'humanité. Donc le premier homme, donc c'est lui qui marche devant, c'est lui qui est passé avant nous. C'est Atum qui tire le traîneau de l'humanité derrière lui. Ou bien les humains marchent à la suite de Atum. Et c'est là que la chose devient encore plus intéressante, car on sait qu'en lingala et dans les langues dites bantou, un humain se dit muntu ou bien mutu. Donc c'est le même terme que la tête. Mais cette fois, la tête dans le sens de conscience ou intelligence, car l'homme à l'image du Tout-Puissant a été fait intelligent pour être à la tête de la création, pour diriger et dominer. Comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible. Et comme le Créateur, tout simplement, domine et dirige dans le ciel. Le terme mutu, donc humain, dans son lien avec la tête mutu, fait référence à la conscience ou à la pensée. D'ailleurs, les scientifiques de ce monde en fait appellent l'homme homo sapiens, donc c'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui est conscient, c'est l'homme qui a de l'intelligence. C'est cela le principe du muntu. Donc Dieu étant la conscience ou la pensée suprême, il est aussi donc le muntu suprême. Mais pour aller encore plus en profondeur, pour bien démontrer que le premier homme symbolise l'image de Atum comme Adam dans la Bible, et que tous les humains sont des Atum ou bien des fils de Atum ou encore des descendants de Atum, parce qu'en fait Atum représenté sous la forme d'un homme, ce n'est pas en fait la divinité Atum, le grand Muntu qui est représenté, ou bien la conscience suprême en tant que telle, mais plutôt l'image, donc la représentation de la divinité sur terre, le reflet de la divinité, comme on nous le présente dans la Bible, puisque les hommes sont à l'image de Dieu et ce sont surtout les fils de Adam, que l'on traduit parfois par fils de l'homme, parce que Adam veut dire homme. Donc, les hommes marchent à la suite de Adam. Donc, c'est Adam la tête du traîneau de l'humanité. C'est celui qui a précédé tous les hommes. C'est exactement le principe du traîneau de Atum. Et pour montrer que cela n'est pas un hasard, on a vu que le traîneau pour les égyptologues se dit Tum ou bien Tum, et que c'est le nom de Atum en hiéroglyphe. Et on a vu que Tumu est la permutation ou l'inversion de Mutu, qui veut dire humanité. C'est pourquoi en lingala on désigne tout véhicule, y compris le traîneau, par le terme Mutuka, c'est-à-dire être tiré par la tête ou par le Mutu. Or, il se trouve que tous les hommes sont tirés du premier homme, c'est-à-dire le Muntu originel, Adam ou bien Atum, dont le nom représente un traîneau, donc Mutu, et le son K, Mutuka, qui correspond, donc d'ailleurs ce son K-là, notamment au hibou ou à la galette de pain, mais aussi le centre, le milieu, etc., qu'on peut résumer par le terme Kate ou Kati, qui donc fait office, entre autres, du complément de son ou phonétique K. C'est pourquoi ça donne bien Mutuka, bien que le traîneau tout seul se dit déjà Mutuka, comme on l'a vu, puisque c'est vraiment cela qui représente le nom de Atum. Et dedans on a le terme Muntu ou Mutu, lorsque on abrège le son sans le N, donc Mutu. Ce qui démontre que si un égyptologue dit « tum » en référence au terme « tout »,
et oublie le préfixe mou, car il ne pourrait pas le remarquer, ne parlant pas nos langues du peuple originel, mais il s'en sort déjà pas mal avec toum ou toum, qui est donc la permutation de moutou. Alors donc, il n'est pas étonnant non plus, et ni un hasard, que ce traîneau que les égyptologues appellent toumou veut aussi dire toute l'humanité. Et ce, si vraiment on est dans l'exactitude avec les langues du peuple originel. Et c'est ce que vous pouvez voir justement à l'image. Donc, ce traîneau-là, que eux appellent toumou, que nous on dit moutouka, dedans on a moutou, veut dire l'humanité. Il faut savoir que si, avec le traîneau moutouka, pour le faire correspondre avec le hibou koutou et le gâteau de pain kate ou katou, on a procédé par fusion des différents sons pour qu'il ne reste plus que motuka. Eh bien, pour désigner l'humanité, on a cette fois-ci éliminé les sons K de motuka et de katu et on a fusionné les sons tu de motuka et de katu ainsi que les sons mo. De ces deux termes, car il ne faut pas oublier que le préfixe mo s'applique aussi avec le gâteau de pain katu qui est en vérité mo katu, c'est-à-dire la permutation en fait de motuka. Ainsi, il ne reste plus que motu ou mutu, c'est-à-dire muntu, l'homme. Et si le Tout-Puissant le permet, on aura l'occasion en fait de constater que c'est une pratique très courante dans les signes hiéroglyphiques que de procéder de la sorte. Et même à la fin de cette vidéo, on verra un autre exemple. Et à la fin, on comprendra aussi pourquoi Atum veut aussi dire le tout, donc l'entièreté, la totalité. Notamment l'entièreté de l'univers, etc. Ou bien comme l'atome qu'on dit qui est insécable, qui est indivisible dans un corps simple. Et que ce terme aussi est lié à l'humain ou à l'humanité, muntu, l'entièreté, etc. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils l'ont peut-être remarqué dans la salutation en lingala au début donc de cette vidéo. Concernant la graphie que vous avez à l'image, il faut rappeler que le son double, que la lettre W, la translittération W, rend compte du son U. Donc Tumu s'écrit TMW. Et donc on voit que le traîneau est toujours là. On retrouve aussi les compléments phonétiques, c'est-à-dire le pain qui désigne la lettre T, le hibou qui désigne la lettre M et le petit oiseau qui désigne le son U, en fait translittéré par la lettre W. Donc ça, c'est selon les égyptologues. Et pour bien distinguer qu'on ne parle pas ici en fait du nom de la divinité Atum cette fois-ci, ou bien Tumu, eh bien le déterminatif a changé. Il ne s'agit plus du vieillard qui est assis, qui désigne donc le thème de la divinité, mais cette fois-ci de l'humanité, puisque on voit un homme et une femme avec trois traits en dessous qui désignent donc le pluriel ou la pluralité, ce qui veut dire on parle de tous les hommes et de toutes les femmes, donc de toute l'humanité. Donc le terme bantu à partir du terme muntu. Et donc là, si on voulait rappeler, donc on a tum qui sera, en fait, on a un tu qui serait simplement le complément phonétique avec kitu, katu, etc., etc. Donc cette fois-ci, on a inversé. Donc le k est retiré pour ne faire qu'un avec une tu. Donc muntu, bantu au pluriel, puisqu'on a les trois t. Donc ce qui prouve clairement que tumu des égyptologues, eh bien, c'est tout simplement la permutation de muntu, donc humain dans le sens de l'humanité ou bien homme universel. Ceci étant dit, on va voir un autre terme en fait pour être plus complet. Donc pour cela, on doit se souvenir que le monde terrestre a été fait pour être la réplique du monde céleste. Donc le muntu terrestre se doit d'être la réplique du muntu céleste. C'est pour cela qu'on doit se laisser entraîner sur les traces de Atum qui nous a précédés. Atum nous met sur un traîneau Mutuka et il nous entraîne avec lui. Donc il est notre Mutu, il est donc le modèle, il est à la tête. Et c'est lui qu'il faut imiter pour rejoindre la divinité
dans l'éternité. Et pour être aussi son image, pour être sa réplique, son calife, donc son représentant ou bien même son ambassadeur, car on se doit de lui ressembler et imposer la justice et l'harmonie sur terre comme c'est le cas au ciel, car tel est le rôle du pharaon en tant que représentant ou ambassadeur de Atum sur la terre. Et c'est là que on revient encore une fois au Lingala pour voir comment est-ce que l'on dit un représentant, un calife ou un ambassadeur. Eh bien, le terme Ntouma ou bien Toma, c'est la parfaite permutation de Atum. Atum, Toma. Surtout sachant qu'en Lingala, le O se dit aussi U, donc se prononce U, et que le N précédant la consonne T peut s'enlever comme on l'a déjà vu. Comme dans humain, Muntu, on peut directement dire Mutu ou Moto. Du coup, Ntoma peut se dire Touma, comme Atum. Touma, 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 Toum. Donc, on sent clairement que c'est le même terme. C'est une permutation parfaite. Et c'est pourquoi, donc, c'est ce terme-là qui est en fait une variante de Muntu, qui est en fait, qui a traversé le temps et qui a donc créé cette confusion. C'est cette notion de Muntu et de Ntoma qui a créé cette confusion-là. De penser qu'on dit Toum, Touma, Atum, etc. Sur la page Wikipédia en anglais d'ailleurs, on constate que Atum s'écrit A-T-U-M. Ou bien même parfois T-E-M, etc. Parce que toujours avec les voyelles qui varient, parce qu'on ne sait pas exactement quelles voyelles on doit employer dans l'égyptologie, donc on met comme ça. Mais néanmoins en anglais, on voit que c'est Atum. Donc, si on prend juste le Toum et on ajoute le A à la fin, ben ça donne Touma comme représentant, ambassadeur, etc. Et par exemple, sur le site dictionnaire en lingala.be, on nous dit Touma veut dire représentant, ambassadeur, commissaire, apôtre, représentant de Dieu. Représentant de Dieu. Donc, fin de citation. On remarque aussi que même le prisonnier se dit Etouma. Très certainement parce qu'il se laisse entraîner contre sa volonté, il n'est plus maître de sa personne, donc tel un Thomas, un ambassadeur, un représentant, un apôtre, un prophète, etc. Il n'est plus maître de sa personne, il n'est plus libre, donc il doit faire la volonté de celui qui l'a envoyé. On constatera aussi qu'en Lingala, un député, un apôtre, un émissaire ou un concessionnaire, eh bien tous ces noms-là en Lingala se disent Thomas, car ils jouent des rôles de représentants. Les anges sont des représentants et messagers de Dieu. Ils sont des Ntoma, mais des Ntoma divins, comme par exemple l'ange de l'Éternel qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. C'est en fait l'ambassadeur de l'Éternel. Il est donc son Ntoma, son représentant. Dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 5 à 8, Dieu dit à propos de Moïse la chose suivante. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel, un Toma. Donc, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Fin de citation de la Bible. Donc, Moïse voyait le Toma de Dieu face à face, donc une représentation divine. Lorsque Dieu révèle un message à un prophète, ce prophète aussi devient son représentant, donc son Toma, pour que ensuite le peuple qui va accepter ce message devienne à son tour un peuple de Ntoma de Dieu, donc de représentants de Dieu. Ce sont ses lieutenants. C'est pourquoi dans le Coran, Dieu a dit qu'il allait installer un représentant, un calife sur la terre. Ou dans la Bible, on dit l'homme est l'image de Dieu. Atum est le premier. Il est l'ancêtre suprême. Il représente l'image de l'humanité, ou plutôt de l'humanité juste qui vit dans la vraie foi, et donc qui représente l'image de Atum qui est en réalité Amon. Et cette humanité devient liée à l'homme universel, au Muntu originel, Adam, le Ntoma originel. Donc certains frères en fait
qui se disent bantous israélites, eux, ils affirment que les Égyptiens ne sont pas des bantous. Car pour eux, les bantous, ce sont ceux que les Occidentaux ont désignés comme étant des bantous. Par rapport à des rapprochements linguistiques, etc. Même si en réalité, toutes nos langues sont apparentées. Et même sont à l'origine des peuples, des langues du monde entier. Bon, pourtant, on sait que les Égyptiens anciens se faisaient appeler bantous longtemps avant que les Occidentaux viennent décider qui est bantou et qui ne l'est pas. Et donc, il faut maintenant démontrer que les Égyptiens eux-mêmes, en tant que peuple, se faisaient appeler bantous. Par exemple, un des termes les plus connus pour désigner les Égyptiens anciens, et cela est même admis par les égyptologues malgré leur tendance douteuse à élaborer des prononciations sans tenir compte du contexte et de la culture africaine ou du peuple originel des anciens Égyptiens, ce terme pour désigner les Égyptiens est Remetu, et qui ressemble fort au terme Muntu ou Mutu. Et on le traduit toujours par l'homme par excellence ou par Égyptien. Et sur le site Institut Père A.A.N. Imhotep, vous voyez, déjà, on reprend les termes de l'égyptologie, là. Père A.A.N. Imhotep. Et pourtant, je pense que c'est des gens du peuple originel qui ont fait ce site-là. Donc, on nous dit à propos de Remetu, les hommes par excellence, entre parenthèses, tombeau de Séti Ier, c'est-à-dire porteur d'un savoir civilisationnel pour l'humanité, savoir issu du Créateur lui-même. Fin de citation. Cette déduction est très intéressante car le Ré de Remetu fait référence à Ra, donc la façon dont l'égyptologie appelle Dieu par le disque solaire. Mais toujours est-il que ce site résume assez bien que veut dire le Kwan Kulu, c'est-à-dire la tradition en Lingala. Car nous disons que le terme appelé Ra se dit en fait Nkolo en Lingala, ce qui signifie le Très-Haut. Ainsi donc la tradition Kwan Kulu, composé de deux termes, Kwa ou Kowa, qui veut dire mourir, et Nkulu, qui veut dire aîné, ancêtre, la supériorité, le ciel, le jour, la divinité et enfin le Très-Haut. Donc c'est graduel. On monte du niveau le plus bas vers le Très-Haut, le niveau le plus haut. Mais tout ça, vous voyez que ça reste pareil. C'est Nkulu, Mukolo, Mukulu, etc. En bref, c'est l'héritage des ancêtres qui sont montés au ciel, donc qui ont été divinisés, qui sont devenus des immortels. Donc ça, c'est par opposition aux ancêtres rebelles et déchus. Ces ancêtres qui ont été divinisés, qui ont suivi simplement le chemin ou le traîneau de Atum ou le Ntu, le premier ancêtre donc, le Muntu Mukulu, c'est-à-dire l'homme ou la conscience la plus élevée, donc l'aîné, d'où vient l'enseignement de la tradition, le Kwan Kulu, qu'on appelle aussi Bokoko, c'est-à-dire l'héritage des ancêtres. Parce que nous, il faut dire que on se réfère toujours au Très-Haut, au Tout-Puissant. Et pour revenir au terme Remetu, vous pouvez voir à l'écran une multitude de façons d'écrire Remetu, mais vous voyez au-dessus que cela se traduit par homme sans S, ensuite on a homme avec S, on a genre humain, les Égyptiens, et on répète, donc on a homme, ensuite homme avec S, genre humain, donc l'humanité, et les Égyptiens, donc vous le voyez bien là. Et on sait tous que Muntu s'est traduit aussi par homme, homme avec S, genre humain, etc. Donc on constate par là que si on a ajouté les Égyptiens dans humain, eh bien, les Égyptiens se faisaient véritablement appeler des bantous. Mais bon, continuons parce qu'il y a d'autres surprises. Parmi ces représentations, il y a celle avec le traîneau. C'est celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est surtout ça qu'on a étudié depuis le début. Et il est accompagné de la galette de pain. Les égyptologues trouvent en fait cette transcription comme étant anormale, comme vous pouvez le lire, car il se trouve qu'il manque la bouche, qui est le son ra ou ré,
selon les égyptologues, le R. Et quand cette bouche manque, on estime que c'est anormal. En clair, ce sont en fait là les limites de l'égyptologie. Donc, Remetu, c'est les hommes divins ou les hommes élevés en esprit, c'est-à-dire Ra, la bouche symbolisée, qui symbolise en fait la divinité, et Metu, ou le son Tum des égyptologues, mais qui se dit tout en réalité, ou Muntu au singulier, et Bantu lorsqu'il est employé au pluriel, d'où le dessin donc du traîneau qui apparaît, qui signifie humanité. Donc les deux ensemble donnent l'homme divin. Et donc les égyptologues ici n'arrivent pas à comprendre pourquoi les égyptologues, ou plutôt pardon, les égyptiens ont utilisé donc ce traîneau sans la bouche pour dire ce que eux ils appellent Remetu. Parce que le Ré il n'est pas là, donc pour eux c'est une transcription qui n'est pas normale. Mais en fait les égyptiens, les égyptologues ignorent que si le traîneau est sur cette graphie là parmi tant d'autres sans la bouche, c'est qu'il désigne à lui seul l'humanité, comme on a déjà vu, donc le Muntu ou Bantu, et qu'il fait référence au traîneau de Atum, donc de l'humain qui suit la voie ou les traces de Atum. Donc d'office, il est homme par excellence. Il est homme divin lorsqu'il suit ce traîneau-là, lorsqu'il est sur ce traîneau-là. Donc on n'a pas besoin de la bouche, on n'a pas besoin d'ajouter ce qu'ils appellent Re, Unkolo. C'est pareil pour l'image avec l'entrave, mais ça c'est une autre histoire que l'égyptologue une fois encore trouve anormale. Donc, concernant le terme Remetu, il faut savoir que, en fait, dans sa translittération, il s'agit de trois consonnes, R, M, T. Or, on sait qu'il faut ajouter des voyelles entre les consonnes, mais parfois aussi au début et à la fin, etc. Les égyptologues ont choisi un E entre le M et le T, mais cela aurait pu être un O ou un U, donc Remutu au lieu de Remetu. Donc, c'est pour le même prix. Simplement, ils ont choisi un E. Et souvent, d'ailleurs, ils choisissent toujours des E entre les consoles. Donc, l'égyptologie vous pond comme ça, vous offre un langage totalement imaginaire, soi-disant de l'Égypte antique. Le complément phonétique, illustré en fait par le signe de la bouche qui représente le R en égyptologie, mais en lingala donnerait le Nko. Donc le nko de la bouche qui se dit en lingala munoko, ou bien le nko de nkolo, le très haut, que eux ils appellent ra, et donc, et que l'on retrouve aussi dans ra, le disque solaire divin, qui en fait renvoie à ce qui est plus haut, à ce qui est supérieur, ou bien à ce qui est au-dessus, donc divin. Donc d'où le terme très haut pour désigner Dieu, c'est-à-dire nkolo, ou bien likolo en lingala. Donc, Remutu ou Remetu, c'est le Muntu supérieur ou divin. Et les Égyptiens se faisaient appeler donc, entre guillemets, Remetu, car ils aspiraient à être les représentants donc des Ntoma de Atum, le Muntu suprême originel. Donc, ils devaient suivre son modèle, donc être sur son traîneau. C'est pourquoi cette transcription, soi-disant anormale, apparaît de cette façon-là. Et donc, on répète que comme vous pouvez le voir, il est écrit que Remetu veut dire genre humain ou bien désigner les Égyptiens ou désigne les Égyptiens. Donc, le terme Muntu désignait bel et bien un Égyptien. Et les trois traits symbolisent donc le pluriel, donc automatiquement, on va dire Bantu. Il y a encore d'ailleurs une autre façon d'écrire Remetu, et cette fois avec la bouche Munoko. Donc voilà que tout à l'heure je trouvais que c'était anormal, et cette fois maintenant on retrouve le même terme maintenant avec la bouche. Donc en lingala c'est Munoko ou bien Munko, qui est en fait le diminutif de Mukulu ou Mukulu, qui désigne celui qui appartient au Très-Haut ou bien le supérieur, l'aîné, etc. Parce qu'en fait, Munoko ou Munko est très relié à la divinité dans la mesure où, comme on le sait,
c'est le verbe de Dieu. Donc parler chez nous, c'est munoko, le langage, la langue, parler, etc. Et donc la bouche munoko peut aussi se dire munko, sans prononcer le O entre le N et le K, comme dans Kwankulu, pour éviter de dire Kwankulu, comme dans mourir Kowa. On a donc directement supprimé le O et on dit Kwankulu. Et avec la bouche munoko, c'est la même chose lorsqu'on dit munko. Et on le verra, si le Tout-Puissant le permet, en fait, dans la vidéo, si on l'a fait, sur le nom de Knum, qui est une autre forme de Amon et qui est très très important. Et donc, cette version d'écrire Remetu, entre guillemets, avec la bouche et le traîneau, suit toujours en fait la même logique qui est claire et nette de Muntu Mukulu, donc l'homme supérieur ou l'homme par excellence. Mais si ici, à l'image que vous voyez à l'écran, on ne dit pas égyptien comme dans l'autre, mais seulement on dit homme, genre humain, humanité, donc on doit savoir que bien évidemment, on parle toujours des Égyptiens qui ne pouvaient que être inclus d'office dans leur propre graphie, dans leur propre représentation hiéroglyphique. Et on verra aussi un peu plus loin que la galette de pain veut souvent dire Kati, donc intérieur. Donc le tout peut aussi se dire Nkulu Kati Amuntu, donc la divinité à l'intérieur de l'homme. Ainsi donc, il ne fait aucun doute que les anciens Égyptiens étaient véritablement des Bantous, mais pas au sens que les Occidentaux ont voulu nous imposer. Et d'ailleurs, s'il y a un seul peuple qui peut se permettre donc de revendiquer le titre de Muntu, c'est bel et bien celui qui veut être le représentant du premier Muntu dans son sens le plus profond. Les égyptologues et les chercheurs occidentaux ont voulu imposer leur paradigme athéiste sur la Bible et sur les hiéroglyphes, notamment dans les prononciations. Mais en réalité, le peuple d'Israël, de la Bible et les anciens Égyptiens sont un seul et même peuple. Et ça, on le dira jamais assez. Tous les historiens antiques gréco-romains, égyptianisés et autres l'ont confirmé. On peut citer Strabon, Tacite, Diodore de Sicile, les citations de Manéthon, donc le prêtre gréco-égyptien, ou encore Flavius Joseph, le juif romanisé, qui a écrit l'histoire des antiquités juives et qui est en fait la grande référence de ceux qui ne veulent pas s'appuyer sur la Bible pour raconter l'histoire des juifs ou bien des israélites. Donc, il se réfère à ce Flavius Joseph-là et qui confirme cela, sans parler du Coran et de la Bible. Donc, tout cela, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. C'est donc à nous, le peuple originel, de restaurer notre histoire. Et ceux qui veulent en savoir plus sur les liens entre les langues africaines en général, donc pas seulement les langues dites bantou ou bien le lingala, mais aussi les langues nilotiques de l'Afrique de l'Ouest, le copte, les langues dites soudanaises, etc., etc., eh bien, cela, ils peuvent aller notamment sur la chaîne A Contrario de Dimbomba Ribok. Là-bas, donc, les démonstrations sont beaucoup plus techniques et plus exhaustives concernant les différentes langues du peuple originel. Elle a écrit donc plus de 20 livres sur ce sujet, et donc, pour arriver à ce résultat-là, on ne peut pas venir avec une méthode hasardeuse. Donc, il va vraiment faire le tour de toutes les langues du peuple originel. Et moi, j'utilise le lingala parce que c'est ma langue natale. Et déjà, les explications des signes hiéroglyphiques viennent absolument tout seul et sans forcer. Donc, c'est par la grâce du Tout-Puissant que notre histoire est en train de revenir toute seule. En fait, elle a toujours été présente dans nos langues, car c'est cela, en fait, la véritable transmission orale dont on se moque de nous en disant qu'on a juste une transmission orale, on passe notre temps à chanter des chansons pour retenir soi-disant notre histoire, mais on n'a jamais eu d'écriture, etc. Alors que ici, on voit clairement, et si le Tout-Puissant le permet, on va encore le voir davantage, plus en profondeur, que les hiéroglyphes sont notre écriture sacrée depuis des milliers et des milliers d'années. Et la transmission orale des chansons n'ont rien à voir avec notre histoire. C'est simplement une façon de conserver nos langues et les sens des mots. C'est ça que les ancêtres nous ont légué, et non pas des histoires imaginaires chantées qui ne veulent rien dire au final, ou alors ce sont des sens symboliques que ceux qui écoutent ne peuvent pas comprendre.
Ainsi donc, pour conclure le volet consacré à Amon en tant qu'atome, il faut récapituler. Il y a d'abord un atome céleste qui est l'ancien du monde divin. Et ensuite, il y a son image ou son reflet symbolique qui est un atome terrestre qui est l'ancêtre des humains. Donc l'équivalent de notre Adam dans la Bible. Atum s'écrit avec un traînon prononcé Tumu par les égyptologues ou Tum, mais qui en fait est le Ntu de Muntu ou Bantu, ou encore la permutation de Muntu, qui veut dire donc humain ou humanité, notamment en lingala. Le traînon se trouve être un véhicule, donc le traînon Tum se trouve être un véhicule qui se dit Mutuka, c'est-à-dire que il est tiré par devant ou par la tête qui le précède. La tête, qui est le siège de la conscience, se dit Mutu, tout comme l'humain se dit Mutu. Et le Mutu, donc la tête consciente, et en même temps l'humain qui nous a tous précédés, c'est Atum. C'est lui notre traîneau, notre Mutuka, donc notre modèle à suivre, en suivant sa trace et en cherchant à imiter Atum. On devient donc sa réplique, son calife, donc son représentant qui s'est dit Toma par permutation de Muntu. Et comme Atum veut aussi dire le tout ou l'être qui est complet, en devenant son image ou son Toma, on devient aussi un être complet. On fait qu'un avec la totalité. Car le traînon Tumu des égyptologues veut aussi dire un être parachevé, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais on n'a pas le temps de tout étudier, rentrer. Mais vous voyez que on est dans la complétude, on est dans ce qui est élevé, dans ce qui est d'une grande conscience, d'une grande élévation spirituelle notamment. Donc ce qui est aussi appelé homme par excellence, donc Remetu, ou plutôt Remuntu, si on voulait mélanger nos langues avec le paradigme égyptologue, dans la mesure où, en mettant une voyelle au hasard E, on aurait très bien pu mettre le ou, donc ce qui aurait donné Remutu, ou plutôt Muntu Mukulu, voire Mukulu Muntu, donc l'homme supérieur, l'homme divin qui est aussi représenté par le traîneau de Atum, toujours. Et cela, c'est à quoi aspire tous les Égyptiens de l'Antiquité sur le chemin ou le traîneau de Atum. C'est donc au travers du terme Muntu, donc la racine qui est Ntu, que les égyptologues appellent Tum, le traîneau, qui est la conscience humaine, qui est la manifestation de notre parcelle divine que aucun autre être sur terre possède. C'est le Ntu qui nous permet de dominer les autres êtres vivants de la nature et d'être à leur tête, donc le reflet de la domination céleste de Dieu, le Muntu suprême, la conscience suprême. Ainsi, tout cela explique la formule biblique de l'homme à l'image de Dieu et celle du Coran de l'homme en tant que représentant ou calife de Dieu sur la terre. Donc ainsi, c'était en ce qui concerne Atum et le lien avec le terme Muntu ou Bantu. Et avant de terminer cette vidéo, on va parler de l'explication des signes hiéroglyphiques qui désignent en fait le pays d'Égypte d'après les égyptologues comme étant prétendument Kemet, la terre noire, et de surcroît les Égyptiens comme étant des Kémites. Donc, terme largement adopté aujourd'hui par de nombreux noirs à travers le monde.